Allez, Matt Powers dans sa V8 qui prend la tête sur ce premier run devant GTP. C'est intéressant parce qu'ils sont assez amis hein, dans la vie, Matt Powers et Justin Pollack. Matt Powers qui dit souvent qu'à ses yeux, GTP est le meilleur pilote de Formula Drift. Ils ont décidé de prendre l'extérieur sur ce dernier virage, l'un comme l'autre. Matt Powers qui a bien négocié ce premier run. On va voir comment GTP va réagir dans le deuxième. Allez, c'est parti. Justin Pollack donc en tête. On n'est pas sur des cadences extrêmement rapides, mais il est déjà plus ou moins en train de larguer Matt Powers hein, qui a du mal à suivre le rythme imposé par Justin Pollack, Matt Powers. Ouais, c'est intéressant ce qu'a fait Justin Pollack sur ce deuxième run. Matt Powers qui a un petit peu perdu sa trajectoire. Et on va voir ce que les juges ont décidé. Et ils déclarent Justin Pollack vainqueur à l'unanimité. Première étape donc du championnat de Formula Drift saison 2011. C'est Justin Pollack qui l'emporte face à Matt Powers en finale. Daijiro Yoshihara prend la troisième place. Gagner aujourd'hui, vous savez, pour une première étape, c'est génial. J'espère réitérer ça tout au long de la saison. Il y avait beaucoup de pression et il y en aura de plus en plus puisque je suis en tête du classement maintenant. Mais pour rien au monde, je ne rendrai cette place. Maintenant, on part à Atlanta et j'espère qu'on va tout déchirer.